Il y a un bordel pas possible dans la cuisine. On fait un grand rangement de la cuisine. On va ranger tous les placards, les trier et tout. Hello la compagnie, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous montrer un peu ce que je fais en quarantaine, tout simplement parce que c'est le mood du moment, hein. On est obligé de rester chez nous. Malheureusement, franchement moi j'ai... C'est mieux comme ça. J'ai vraiment du mal, mais bon, on n'a pas le choix, donc je vais vous montrer un peu de quoi ont l'air mes journées. Je vais essayer de faire le plus de trucs possible pour ne pas avoir l'impression d'être une larve, parce que ça fout un coup au moral et c'est comme ça qu'on déprime encore plus. Donc vraiment, essayez de vous lever le matin, ce que je ne fais pas, mais ce que je vais faire dès demain, parce que là franchement mes journées elles passent trop vite et j'ai l'impression de rien faire et c'est déprimant. Donc là, à partir de maintenant, je vais faire le ménage, faire de la couture, de la peinture, de la sculpture, des vidéos, et je vais monter, enfin je vais essayer d'occuper mes journées et de me faire un planning. N'oubliez pas les plannings, c'est très important. J'ai mon petit carnet que je n'ai pas rempli depuis au moins 4 jours et ça, ce n'est pas bien. Bref, ce matin j'ai rangé un peu la cuisine avec Arthur, on a fait un peu de ménage. J'ai plein d'idées de ce que j'ai envie de faire mais je ne fais rien, donc dès maintenant je vais faire. Demain il y a un cours de yoga à 18h sur le live de We Are Humble Warrior. C'est vraiment top parce que pendant cette période de confinement ça va être très dur de garder le moral. Et garder une activité physique, ça rajoute du pep dans nos journées. Donc je vais faire une petite vidéo où je montre comment je fais ce masque de protection, il est comme ça. Ensuite je pense que d'ici aujourd'hui ou demain je vais faire mes ongles, donc ça c'est avec du matos que si vous n'avez pas c'est un peu compliqué d'avoir en ce moment, mais vous pouvez toujours faire au vernis. Moi je ferai mes ongles en gel. Je vais aussi faire de la peinture, je sais pas dans quel ordre je vais faire. C'est parti. Donc voici Rosa qui s'occupe, hein, vu qu'elle peut pas aller faire ses ongles, va les faire elle-même. Je pense que ça va aller, hein. Là j'ai déjà tout enlevé. Ok, c'est bien. Je ferai demain matin la couleur parce que sinon on va plus rien voir et souvent je fais de la merde le soir. T'as bien raison. Voilà. Le soir tu fais souvent de la merde. T'allumes comment? Non mais fais rien. Ah tu vas te... Bah oh, allume-la. Mais... Ouais bon allez c'est tout. Donne la pâte. L'autre pâte. Regardez les talons sur le sol. Ouais, mais c'est dur, faut que ça soit trop profond. Pied droit, entre les mains. Essayez de ramener la hanche droite, la jambe en arrière, pas trop de poids sur la main gauche. Juste un poil. On va ramener la hanche sur le sol. Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. On est le 4e jour de confinement, 3e ou 4e, je crois. J'ai pas trop filmé hier à part le cours de yoga. C'était très dur. Arthur a abandonné avant la fin. Moi, il y a quelques mouvements que je n'ai pas fait parce que j'en pouvais plus, mais je suis restée jusqu'à la fin. Bref, on est jeudi. Je vais faire à manger. Il est à peu près 13h30. On se lève quand même relativement tard. Cet après-midi, je vais sûrement faire de la peinture. Et demain, je vais faire du sport. Ouais, j'ai décidé ce que j'allais faire. Je vais faire des pâtes, des spaghettis noirs aux haricots rouges que j'avais acheté sur Casidomi. Et des légumes. Du coup, je vais prendre un oignon, de l'ail, des carottes que je vais faire avec ma technique en tagliatelle, là, vous savez. Une aubergine et un poivron. Et je vais couper tout ça en petits morceaux. Et je vais revenir dans une poêle avec une sauce un peu à la japonaise. Je pense que ça peut être bon. Là j'ai mis de l'ail et de l'oignon à cuire avec un tout petit peu d'eau et je vais... Finalement je mets pas de poivron, j'ai juste mis aubergine, oignon et carottes. Et là ça cuit un peu doux pour pas que ça crame. C'est celle-là qu'on va essayer. J'espère que ça va être bon. Ça ressemble à ça, les pâtes. Il faut les faire cuire 4 à 5 minutes. J'ai mis à cuire un peu de tofu aussi pour moi. Pour assaisonner je vais mettre de la sauce soja et de la sauce sweet chili, c'est de la sauce un peu aigre douce que j'aime beaucoup en petite quantité, bien sûr parce que c'est pas très bon pour la santé, mais ça fait tout de suite du goût. Ça me donne envie
J'ai pas très faim tout de suite, donc moi je vais pas manger tout de suite. Arthur il mange, il m'en dira des nouvelles. Coucou. Mon chat est actuellement de retour dans mon lit, il est 15h12. Je me force un peu à être productive en ce moment, mais j'ai pas trop envie de me mettre la pression non plus. De toute façon, on est confiné pour encore très longtemps, je pense, donc autant faire un peu ce que j'ai envie. Je pense que je vais regarder un peu de vidéos YouTube, là, ou regarder une série. On a un peu changé l'aménagement dans ma chambre, du coup, le lit, il est plus au milieu, il est comme ça, contre le radiateur et contre le mur. Du coup, là, je suis un peu en mode canapé. Je vais mettre à la peinture, j'ai tout ça qui m'attend depuis au moins 20 ans. Et ça, c'est mes anciens trucs de peinture et tout ça, c'est neuf. Hein. Que t'avais eu, je crois, pour un anniversaire. Ça vient en taille, on prend une caisse en taille. Il y a Arthur qui parle en même temps que je filme, c'est vraiment insupportable. Surtout qu'il joue depuis toute la journée à la play. Bon, je vais voir où je vais me mettre pour faire de la peinture. Je pense que je vais me mettre dans ce petit coin là, mais je sais pas encore comment je vais me mettre. Dans cette boîte, j'ai plein de trucs. Il y a tout ce qui est pinceaux et crayons de bois. Ici, il y a mes pinceaux, mes peintures. J'ai vraiment toutes les couleurs. Donc, je vais les mettre ici. Là, j'ai plein de petites toiles, mais c'est des toiles très fines. Ça, pour offrir, ça peut être cool. Après le confinement, on offrira des toiles. Voilà, tout est prêt. Du coup, j'ai pris mon petit carnet et je vais commencer par prendre les couleurs qui me plaisent. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de peinture. J'ai pris violet, jaune moutarde, bleu et un brique. Et du coup, j'ai envie de faire des formes un peu géométriques. J'ai vu des trucs sur Pinterest qui ressemblent un peu à ça. Il y en a plein, des styles un peu comme ça. C'est ce que j'ai envie de faire, des trucs un peu abstraits comme ça. Ça, ça a l'air plus compliqué. Donc, je reteste un peu mes capacités, mais j'ai fait des petites couleurs comme ça, des petites formes colorées. Voilà mon premier motif, c'est une petite fleur des années 70. Le contour avec le petit pinceau et après j'ai rempli avec un plus grand, mais ça fait quand même des traces à l'intérieur, du coup je pense que je referai une deuxième couche. Je vais passer à la couleur d'après. Bon, le soleil est en train de se coucher, petite update, je suis à ma quatrième forme. Je vais encore en faire une dans le coin et après je pourrai dessiner le visage au-dessus une fois que ce sera sec. Mais j'aime beaucoup le mélange de ces couleurs. Voilà, j'ai fini. Première œuvre de ce confinement. Bon, les amis, nouvelle journée. On est vendredi. Là, il est à peu près 14h50, donc je me suis levée très tard, j'ai déjeuné une petite brioche que je vous montrerai après, et là en fait je vais faire des cotons réutilisables lavables, là vous savez. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un verre et je m'en suis servi pour faire les dimensions des petits cotons. J'en fais des ronds parce que je trouve ça mieux. Des cotons avec le tissu microfibre et des cotons avec le tissu serviette. À savoir que quand même avec la forme ronde, je trouve que c'est un peu plus dur à coudre parce qu'il faut tourner à chaque fois comme ça. Je suis complètement décalée, je vais aller me réchauffer un petit truc à manger. La cuisine elle est toute en bordel et la lumière elle est toute grise dehors. Enfin, je sais qu'il va refaire beau bientôt là, mais c'est déprimant, je préfère quand il fait beau dehors même si on peut pas sortir. En attendant que ça chauffe, Arthur il a fait de la brioche à la machine à pain et c'est trop bon. Mais regardez la tranche, énorme. Là j'essaye de ranger mon bureau, là c'est censé être tous les tissus que j'ai, mais j'en ai sorti et je les ai pas remis et il y a plein de bordel au-dessus, surtout des habits que je dois reprendre mais que j'ai pas encore repris. Là c'est un peu le bordel aussi, là ça va encore, mais du coup je vais ranger tout ça.
ça c'est mon carnet. Je pense que comme ça, ça passe déjà mieux. Bon, là, ça fait toujours bordel ce bac là, mais bon, j'ai pas d'autre endroit de ranger. Sinon, sur le bureau, ça va. Du coup, là, c'est le petit coin où il y a tous mes produits de beauté. En général, là, je les ai tous sortis pour pouvoir nettoyer. J'ai passé un coup là, là, il y a une trace d'huile, mais tant pis. Mes pinceaux, je les mets toujours ici. Et en fait, je me maquille. Tout mon maquillage, il est dans un tiroir ici. C'est un peu un bordel, mais c'est un bordel organisé, vous inquiétez pas. Et là, il y a tous mes soins, du coup, je vais les mettre dans cette petite case et je vous montre après. Du coup, ça y est, j'ai mon aloe vera, ma crème pour les mains, mon parfum, mes deux huiles, huile de burity et huile de prune, ma crème de jour, mon baume à lèvres, et ça, c'est pour le shampoing sec que j'ai fait en DIY. Et du coup, là, il y a tous mes pinceaux et c'est tout propre. Voilà, c'est tout pour ce petit vlog confinement. Là, on est dimanche. Je vais sûrement publier la vidéo ce soir ou en fin de journée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à liker, commenter le style de vidéo que vous voulez pendant le confinement. On a le temps, donc j'essaye de faire des vidéos tous les mercredis et dimanches. Voilà. Je vous fais des gros bisous et à mercredi du coup. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour avoir les petits updates tous les jours.